Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Cornelius, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empire Total War avec la Prusse. Précédemment, nous avions pas fait grand-chose, à part pris... Ah, pourquoi ça ne bouge pas? À part pris la Galicie, et on a eu un coup de bol, puisque en fait, l'Ottoman, de ce que j'ai compris, a attaqué Minsk, oui, l'Ottoman était jusque-là, et le Russe a repris la ville dans le dos, parce qu'apparemment, l'Ottoman est en guerre. Donc du coup, le Polonais est isolé. Et on va pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Littéralement, on va achever la Pologne dans cet épisode. Enfin, je suis pas trop sûr, mais bon, au moins, on aura une bataille. De ce côté-là, on se prépare à faire une guerre, une triple guerre, en fait, parce qu'en fait, pour vous résumer, Hanovre, qui est allié à l'Angleterre, si je l'attaque, je me prends l'Angleterre. Ça, on est bien d'accord. Mais Hanovre a pu, comment dire? Ouais, on peut dire pupettiser la Bavière et le Württemberg. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Il a comme protectorat le Baden-Württemberg. C'est ça, c'est Baden-Württemberg. Enfin, Wunterberg et la Bavière. Donc, en résumé, si on attaque un des deux, on attaque lui. Et si on attaque lui, il n'aura pas le soutien de l'Angleterre, logiquement. Donc, le problème étant que je n'ai qu'une armée. Enfin, je suis en train de ramener une armée qui est à l'autre bout de mon territoire, celle-là, qu'on va ramener pour attaquer. Je pense que elle va être pour la Bavière, elle pour Hanovre, et on va espérer. Voire même, on peut attaquer avec cette armée-là Baden-Württemberg pour faire capituler le sud. Donc, ouais, ça va être une guerre assez complexe, messieurs. Mais nous devrons la gagner. Concernant la Pologne, deux tours à tenir avant qu'ils capitulent. Bon, ils vont attaquer, alors... Je vais devoir faire un épisode assez court, donc peut-être qu'il va durer moins de 15 minutes, voire 20 minutes. Ou enfin, c'est en fonction de si le temps on est. Qu'est-ce qu'il fait, l'anglais, là? Ok, là, l'anglais, il se tape son délire. C'est que souvent, l'anglais, allez savoir pourquoi, il met une armée dans sa flotte, et il va, je sais pas où. Je pense qu'il va attaquer l'Ottoman ou l'Italie. Ce serait drôle, le Vatican a été annexé. Enfin, les États papaux ont été annexés par les Anglais. Oh, étrange. Il y a l'Espagnol, je sais pas ce qu'il fait. Eh, l'Espagnol qui est chaud, qui tabasse les pirates. Tu es un pirate et tu es déjà mort. Ah ouais, malheureusement. Malheureusement, vous êtes déjà mort, monsieur. Donc, visiblement, ce premier épisode, le premier épisode de Kaiserreich avec la Roumanie vous a bien plu, bien évidemment. Enfin, je me disais bien, en même temps, pour être honnête, c'est une nation qui a pas l'air d'avoir été tant jouée. Enfin, Art of Rain 4, oui. Mais le problème de la Roumanie, comme vous avez pu, comme Kaiser, tu me l'as dit, le problème de la Roumanie est le suivant. C'est que je peux rentrer dans l'alliance du Serbe, mais ça me fait mettre en guerre contre la Bulgarie. Logique. Problème, c'est que je dois déjà attaquer la Transylvanie. Alors, comme tu me l'as dit, la Transylvanie a des tanks. Ça, c'est logique. Enfin. Pas tellement. Mais en fait, le truc, c'est que j'attends, je vais espérer qu'un event ait lieu. C'est qu'en fait, en 1937, l'Autrichien ordonne à la Hongrie de reformer l'Autriche-Hongrie, qui était une double monarchie. Alors, soit l'Autrichien, soit le Hongrois accepte, soit il refuse. Bon, s'il accepte, on est niqué. S'il refuse, et ben ça entraîne une guerre. Pourquoi me direz-vous? Parce que le Hongrois va tenir à son indépendance et va donc faire une guerre de libération, on va dire, contre le. Purée, on en met du temps, on peut pas construire plus de routes dans ce pays. Mec qui se vénère au bout de 3 minutes, tu sais. Par contre, on gagne plus trop de fric, là, c'est un scandale, ça, monsieur. Qu'est-ce qui me fait perdre autant de fric? Ah bah oui, les Rhénaniens qui savent pas tolérer mon autorité. Oh, ils me détestent. Là aussi, ils me détestent. Ah non, ils me détestent pas, là. Ok. Oh, on gagne 7000. Du coup, ça me fait quoi comme fric? 2000, bah voilà, ça a déjà un peu plus de cohérence, monsieur. Ah, un agent de chez moi, ok, je sais pas ce qu'il fait là, ce mec, mais... On va pas tuer cet imam, je suis pas un assassin non plus. J'aime bien le mec qui est honnête, enfin, je suis pas si honnête que ça, je tiens à vous rappeler que j'ai quand même descendu plusieurs prêtres au cours d'une série, mais... Alors, Magdebourg, pourquoi j'ai rien à Magdebourg? Ah oui, alors, soit on fait la marche au pas cadencé, ce qui améliore ma rapidité, le feu par rang, mais ça fait mal, soit baïonnette à douille. Franchement, le truc par an. Bon, on va pas avoir trop le choix. Pour le moment, on a un bon ingénieur. On fait ça. Comme ça, on pourra passer sur des réformes un peu plus économiques. Attends, j'ai un pays qui est sous-développé, mec. Les mecs, j'ai un pays sous-développé. Sérieux, je crois que mon pays, il a jamais été aussi mal de toute cette série. Du côté de la Bavière. Ouais, Bavière. Ouh, Bavière. En plus, c'est bien développé, la Bavière. Ouais, la Bavière, ils ont une bonne armée. C'est qui dirige? Ok, ça. De Thuringe. Ok, Thuringe, normalement, c'est de ce côté-là. Quoique. Côtebourg. Attendez. Ah non, je crois que c'était comme le film qui a eu lieu en 45, là, le film avec les nazis qui... Enfin, le film de propagande bien connu que Epic Taking... Cédac, pardon, a fait une vidéo dessus. Super vidéo. Oh là 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 là. Ce film est tellement ridicule pourtant. Va savoir comment les mecs ont réussi à le tourner dans des conditions aussi ignobles. Et oui, pour revenir à ce que je disais donc. Le problème de... Ouais, donc, en fait, la Hongrie va entrer en guerre contre l'Autriche. Alors, bien évidemment, de mémoire, la Hongrie se fait toujours éclater. Pourquoi?
Ben, comment vous dire que ça ne fonctionne pas de se soulever contre l'Autriche? Après, le seul moyen pour la Hongrie de gagner, c'est d'avoir l'Italie, la Fédération du Nord de l'Italie, qui attaque. Généralement, ils le font, mais ils gagnent très vite aussi. Donc, et moi, en fait, Kaiserreich, le truc, c'est un jeu d'opportunité. C'est un pays attaque un autre, et toi, t'attaques l'autre pays pour récupérer des terres. C'est ce qu'on va faire, donc. Qu'est-ce qu'il fait, l'Anglais? L'Anglais, en fait, fait une croisière avec ses soldats. Ouh, les Espagnols qui viennent de mettre une raclée. Ah bah tiens, ils m'attaquent là. La bataille de Vilnius. Ouais, oh, ils regardaient ces ruines. Eh les mecs, je veux pas reprendre la ville. Eh, la dernière fois, j'ai galéré à prendre la Galicie. Oh, c'était chemin de croix à 100%. On va essayer d'avoir le cousin de notre alliance, comme ça, on sera gentil avec lui, on lui donnera des territoires. Oui, bon, ok, j'ai ridicule en faisant ça, mais j'aime bien mes alliés, on va dire. Je suis bien dans la logique de mes alliés d'abord, moi ensuite. Mais oui, donc mon raisonnement, c'est que, étant donné que le Hongrois, lorsqu'une IA déclare la guerre à une autre IA, vous êtes bien d'accord qu'elle redéploie toutes ses troupes. Eh ben, ça va faire la même chose. Donc les divisions hongroises vont être plus importantes face aux Autrichiens que à regarder mes soldats et leur faire des doigts de l'autre côté de la frontière. Donc en toute logique, lorsque j'entrerai en guerre contre les Hongrois, il n'y aura peut-être aucune division. L'objectif, ce sera de rusher du Budapest, voire même rusher toute la Transylvanie, et normalement, le Hongrois acceptera la paix. Après, le problème, c'est que si le Hongrois gagne la guerre ou l'Autrichien, ils peuvent avoir un event pour m'attaquer. Donc normalement, si je joue bien, je dis bien si je joue bien, parce que comme tu me l'as dit, Kaiser, ça peut être très tendu pour moi, je peux potentiellement mettre une raclée aux Hongrois en moins de 2-3 mois, bon c'est assez optimiste, s'il n'y a aucune division qui se redéploie au passage, pour pouvoir ensuite libérer nos territoires qui ont été pris par ces fourbes bulgares. Ça va, là on a une bonne zone de tir. Attends, c'est mes... Ah, c'est génial, c'est ceux qui se déploient. Ah, on se souvient... En fait, c'est vraiment cancer, les chevaux qui bougent pas. Ils bougent sur le champ de bataille, mais par contre, ils bougent pas dans le reste. C'est bon, là. Là, on a... C'est bon, on a un bon équilibre de troupes. Alors, non mais... Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà. Excusez-moi, je rage un peu contre mes soldats. C'est bon, Cory, qu'on connaît à force, hein. Maintenant, si vous tentez de m'attaquer sur les flancs, les hussards, enfin bon, je crois qu'il n'y a plus trop de hussards dans l'armée, j'ai un truc qui s'appelle un carré. Et même si c'est une simple figure géométrique pour vous, ça fait très mal. Enfin, même si pour moi, ça semble être une figure géométrique, pour vous, ça va être votre cercueil. Mais notre cave là, est-ce que je tiens pas à ce qu'il me refasse le coup du... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, mais non! Non, là, les mecs, je suis pas d'accord, là. Monsieur, je suis contre cela. Oh non, mais les mecs, si vous devez venir comme ça, on va pas s'entendre. Les mecs, vous êtes censés m'attaquer. Je suis si fort que ça? Purée. Ah non, c'est bon, il va attaquer. Parce que sinon, moi, j'attaquais le fort, il n'y a pas de problème. Hein, c'est. En vrai, je crois qu'on peut. On va tenter un truc. On va emmener trois unités de ce côté-là et on va prendre discrètement le fort. Ça va être tellement ridicule. Les mecs qui prennent le fort d'assaut. En vrai, on a toujours nos tranchées. Je sais pas pourquoi ils disent c'est des tranchées. Ouais, de loin, ça a l'air d'être des tranchées, entre guillemets, mais bon. Ouais, donc sinon vous inquiétez pas pour Kaiserreich, je reste optimiste coûte que coûte. Je suis assez quelqu'un d'assez optimiste. C'est le mec, chef, vous jouez à la Mayon 45 et les soviétiques sont à Berlin. Ça va, on tient le truc. Et toi, tu vas rester dans le coin pour épauler au cas où. Il m'envoie quoi en fait? Oh, mais c'est les cavaliers! Oh, mais c'est génial! Il m'envoie les cavaliers! Oh, ça, c'est ce que j'aime le plus. Quand il t'envoie les pires unités au combat. Par contre, j'ai pas mes cavaliers qui sont là. Merde, ils sont à l'autre bout. Ils sont en train de se réfugier dans la ville, ces espèces de lâches. Ah non, mais monsieur, ça, je suis pas d'accord. Ah non, là, par contre, je suis contre cette shit. Tu as de l'entrejambe, mais tu ne fais pas les deux en même temps. C'est-à-dire ne pas en avoir. C'est ce que fait actuellement l'IA, on est bien d'accord. Plus ces cons là, ils vont vraiment me laisser rentrer dans leur ville. C'est vraiment, je suis. Non. Vous tirez ou. Non, vous tirez pour vous pointer. Là, les mecs sont en train de voir que leurs soldats sont tués. Ils se disent, ah, on devrait peut-être intervenir là en fait. Vous mourrez pas face à des. Oh là, pourquoi ça lag là? Eh oh! Non! Non, monsieur, je ne te touchez pas à la connexion de mon ordinateur, s'il vous plaît. Merci. Mais. Purée, c'est quoi ces cavaliers? C'est quoi ces soldats? Ils font laguer le jeu. Oh Seigneur Dieu, vous avez tué tous mes canonniers. Je n'en aurai aucun pour me servir le thé. Vous buvez pas de la vodka? Non. Vous n'avez pas un de vos abonnés qui vient de vous rappeler cela? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non mais,
Quoi, vous avancez plus? Avancez toujours plus, les gars. Bon, alors, nos canonniers, on va les mettre. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller là, quoi. On va foncer dans le tas. Non, au passage, j'ai défoncé. C'est bon, on les a tous anéantis. Génial, avec presque aucune perte. On va avancer notre général en espérant qu'il meure pas. Enfin bon, écoutez, ça peut pas être pire que l'autre bataille, mais bon. Ah! En vrai, il faudrait vraiment que je... Sérieux? Qui c'est qui a réussi à mourir comme une merde? C'est moi, chef! Soldat, explique-toi! J'ai glissé, chef! Oh bah purée, t'as fait plus que glisser, là. T'as perdu des neurones dans l'histoire. Oui, chef! Crétin. Crétinissime crétin. Non mais sérieux, comment tu peux mourir d'une chute à cheval aussi connement? Oui, bon, je sais que chute à cheval, c'était une mort qui était assez courante à l'époque, mais bon, là, franchement... Mec, là, y a peut-être... Les mecs, on vient de les coincer dans leur propre forteresse. Ce truc de gros salaud, les mecs sont coincés, ils sont en mode chef, on est coincé. Rappelle cette vidéo de JDG où les mecs où c'était des mecs du GIGN, ils étaient coincés derrière un canapé où les mecs faisaient chef, je suis coincé, j'ai une femme et des enfants. Crétin. Vous pouvez pas être aussi, vous pouvez pas être des crétins à ce point-là, franchement. On va se battre là, enfin, on se bat déjà là. Alors qu'est-ce qui me renvoie? Vous pouvez peut-être au moins faire attention à moi. Sérieux, attends, les mecs, je vais me battre contre eux, ils m'ignorent, c'est... Attendez. Mais ils veulent quoi, les nains de jardin, là? Enfin, excuse, pourquoi je traite de nains de jardin? Ils veulent quoi, les petits plecno, là, avec leur petite lance? Et plecno, là, en attendant, ils m'ont quand même défoncé un ou deux gars. Et en attendant, ils me font la peau. Attends, il y a deux... Mais ils me défoncent des gars, les petits salauds. Allez, hop là, pas le temps d'une exécution pour ces messieurs. Ne quittez pas, bientôt on va avoir des fusils mieux calibrés, donc aucun d'entre vous ne réchappera. En vrai, je suis même pas sûr que les mecs sont conscients que c'est leur dernier capital qui est en train de tomber. Ah, mais on les défonce là pendant ce temps-là, hein. C'est... Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là on les nique. Hein. Oh 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 oh, attention là, les gars, c'est l'assaut. C'est. Mince, y a pas un nom à. La dernière tranchée. Mais non, pas de ce côté-là! Putain, mais les mecs sont tellement dans le truc du défendre que maintenant la ville elle est à eux. Chef, je suis pas sûr qu'on est aussi, si on est aussi peu nombreux. Ah bah chef, vous venez de mourir sous mes yeux, bah au revoir. Le chef le plus ridicule au monde, le mec est mort sous les balles. Parce que d'habitude sur Empire les généraux ils meurent pas, enfin les officiers meurent pas, c'est... Je pense pas que ce soit très RP ça, les officiers qui meurent en dernier. Enfin, je suis pas spécialiste du 18e siècle, mais je pense pas que les officiers mouraient les derniers. Au contraire, je crois qu'un officier c'était peut-être la meilleure cible que tu puisses avoir. Putain, mais les mecs ont... Mec, vous avez tellement mal géré votre communication d'assaut, quoi. En plus, on les a vraiment coincés, les mecs. Les mecs sont coincés comme des merdes. On va prendre d'assaut un fort qui nous appartient. Oui, ça a du sens, ce que je dis. Allez, hop là, ça s'est fait défoncer. Par contre, on a quelques pertes, là, au passage. Laissez-nous entrer! Non! Eh, merde! Bon, vous perdez pas un second gars, je sais pas comment, face à eux. On a coincé leur cavalier, mais vous êtes sérieux. Non, mais je crois que les Polonais, là, ils ont... Je crois que les Polonais, on a brain les Polonais. Comment brain la Pologne? Ah non, pourquoi tu sonnes maintenant, toi? Non. Mais non! Oh, et zut. Bon, tant pis, ce chrono vient de se... Et on les a massacrés en moins de 2 minutes. Enfin, là, la bataille a commencé, il n'y a même pas 8 minutes, et on les a déjà... Allez, les gars, on descend. Les mecs sont en train de faire chef, ils sont en train de descendre par l'escalier. Par l'escalier, quoi? Arrgh. Bon allez les gars, on descend l'escalier, à l'attaque. Là-bas sinon vous les tuez les cavaliers ou... Là les mecs sont juste devant vous, faites un effort. Ah bah voilà quand vous voulez. Voilà, là on va les massacrer. Là c'est la bataille des escaliers à plus. Oh non mais c'est ridicule cette bataille. Je vous tue avec une baïonnette en pleine tête. Moi je te plante une épée dans le... What? Jean! Franz, comment t'as réussi à te prendre... Ah, il est vivant. Excusez-moi, chef, il m'a mis un coup de savate, j'ai un peu mal au pied, là. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Au final, nos artilleurs ont servi à rien, ils ont fait un tir ridicule qui a tué personne. Bon, je crois qu'ils sont défoncés, non, c'est... Ils sont où, mes soldats? Les gars, vous faites quoi, là, en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, mes soldats, ils sont en mode, bon, chef, je veux pas paraître inquiet, mais ils sont partout! Bon, carré, les gars, carré, les gars! C'est la merde, c'est la merde. Regardez ça, c'est la merde. On est encerclé de partout. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, cette bataille ridicule. Attendez, on se met un peu dans l'action. Oh, allez, viens te battre.
Non mais hé hey. Non mais le mec, je suis en train de l'affronter, il m'ignore, mais c'est une blague. Oh là, oh là, oh là, oh là. Tourner dans le vide. Non. Bref, je vais pas chanter cette musique que beaucoup considèrent comme une... Je vois pas ce que... J'ai peut-être pas trop de goûts musicaux, mais je vois pas en quoi cette musique est. Mais d'où vous sortez, vous? Bonjour, c'est nous. Ça, c'est la technique du carré. C'est en fait, les mecs, on les a encerclés dans le carré, du coup, on les a tous tués. Tirez, allez. Regardez, vos copains ont besoin d'aide, en plus, là-bas. Cette baston ridicule, quoi. Moi, j'ai jamais fait de bataille aussi ridicule que ça. Ah d'accord, ce canon, je pensais que c'était des chevaux, j'allais râler en me disant, mais ils sont cons mes soldats, ils permettent à perdre des chevaux. Quoi? Comment ça, je perds des hommes là? Enfin, oui, on est dans une bataille, Coric. Mais c'est ma forteresse! Mais, qu'est-ce... Non mais ça va, les mecs, vous... C'est ma forteresse maintenant. Allez-y, venez, venez messieurs, regardez ce qui vous attend. Bon. Fuyez dans la ville, enfin dans la forteresse. Je vais venir, les mecs qui vont tomber sur les cavaliers, ils vont faire. Bon, surtout, vous les ignorez, d'accord? Bonjour, on fait que passer. Allez, à 50 contre la fenêtre, ça va passer, les mecs. Hop là, maintenant qu'on est dans la forteresse, personne ne peut nous avoir. Ils pourront pas tous nous kent, vous inquiétez pas. J'aime bien les batailles dans les maisons, parce que même quand t'es sûr de perdre une bataille, tu te mets dans une maison, t'es capable de leur défoncer les unités. Une fois, il y avait une bataille, j'avais une milice, une garnison. Enfin, oui, des pecnos, je les ai mis dans mon truc, j'ai défoncé deux unités. C'est, les mecs, ils étaient au pied de la maison, ils se sont dit, on devrait pas faire un truc ou quelque chose du genre. Allez, venez vous battre. Allez, allez, messieurs. Mais ce gars-là, ils comprennent rien à la baston. Chef, on est dans la ville, mais ça sert à rien. Oui, bon, t'as d'autres des trucs qui servent à rien, cette chaîne? Pardon? Non, je plaisantais, chef. Je crois qu'on vient de kent leur cavalier. Cavaliers, ils sont en mode, on est bloqué. Là, ils sont vraiment en mode, on est bloqué, chef, on sait pas quoi faire. On va régler le problème en vitesse. Allez, petit peloton d'exécution pour ces cavaliers. Eh, c'est pas mal, c'est comme un arsenal. C'est un quartier général. Ça, le mec, le quartier général, il... Peloton d'exécution, feu! Attendez, je vais pas les laisser en vie. Chef, on est bloqué, comment ça? On peut plus bouger! Vous plaisantez? Non, chef, on est bloqué! Oh, ça, je perds des gars là. La bataille est finie. Allez, petit peloton d'exécution. Prêtez armes. On joue. Est-ce que vous avez des liens volontaires à faire? Vous n'aurez pas notre vodka. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez retenir ça dans l'histoire? Je crois que l'histoire va pas vous retenir. J'ai dit, vive la vodka. Oh, je meurs comme une merde. Général Jérémy Tarka qui vient de mourir héroïquement en disant ces mots historiques, vive la vodka, M-E-R-D-E. Voilà. Ça, l'histoire s'en souviendra pour les siècles à venir. Il y a des petits pécores qui ont pas compris la leçon là. Eh les mecs, allez-y mollo quoi. Mec, ils lui ont foncé dessus à la baïonnette. Oh, eh les mecs, pas tous à la fois. Allez. Eh, doucement les gars. C'est quoi ces furieux, les mecs, ils ont foncé à 50 000 contre 1. Ah voilà, il est mort. Allez, j'élimine au passage les petits survivants qui restent. Et s'il vous plaît, on veut juste faire passer... Arrête, vous n'aurez pas notre drapeau. Ah bah si, je l'ai maintenant. Maintenant, ça va être ma belle collection de drapeaux. Ouh, bah c'est... Voilà, le fort a été nettoyé. Attendez, il reste un survivant là. S'il vous plaît, j'ai mon... Voilà, c'est bon, on a fini la bataille. C'était l'assaut du fort. Victoire décisive. En même temps, j'ai fusillé hors général. Les guerres sont toujours faites par les jeunes hommes pour des plus vieux. C'était pas Coluche qui disait à la messe, les plus riches sont devant, les plus pauvres sont derrière, et à la guerre, c'est l'inverse. Voilà, vous avez votre réponse. Je sais pas qui est cet anonyme, mais c'était un génie. Mais chef, le conseil anonyme, c'est qu'on sache pas qui c'est. Bah, c'est un génie quand même, voilà. Ça me rappelle une vanne qu'on m'avait racontée un jour. C'est un mec qui dit il a encore commis quelque chose. Et ils vont à sa cellule, et ils font. Bon sang, X, comment vous faites? On a encore une plainte contre vous. J'ai trop le mec qui est en tôle, en train de, je sais pas, manger sa ration. Et on lui dit, on a encore une plainte contre vous. C'est pas possible, j'ai pas bougé. 542 morts contre 110. Ah, j'ai quand même perdu du monde. Ils se rendent pas? Mais c'est une blague. Attends, j'ai pris leur forteresse et... Attends, les Suédois étaient aux portes de Moscou? Eh les mecs, Barbarossa, c'est pas avant... On est en 14, c'est pas avant 200 ans au moins, donc 216, 228 ans, alors on va se détendre tout de suite. Les Marocains qui pillent Lisbonne, allez-y, allez-y.
ils avaient attaqué Malte. En l'anglais, là, il doit être en mode rage intensive. Parce que quand tu perds une flotte avec toute ton armée, je crois que tu es dans cette situation-là. C'est ce genre de situation qu'on déteste le plus. Et encore pire sur Darkest Tower quand on a nos... Ah bah c'est bon, on a pris la ville. C'est le pire, c'est quand tu joues à... Alors, neveu stupide, plus 2 de morale dans les batailles. Oh, je me rappelle ça. Alors, on a moins 5, plus 1 et plus 1. Eh, attends, pourquoi le mec, c'est un commandant agricole, il est meilleur pour faire des sièges? Mais c'est complètement con. C'est comme si je disais que je savais lire des livres et que ça me donnait des bonus pour... faire de la cuisine. Bon, peut-être qu'après, ça a du sens. Peut-être qu'après, bon, mon exemple était peut-être pas terrible, mais bon, c'est assez con comme logique, quoi. Et je vois pas en quoi avoir un neveu stupide, ça te fait gagner des batailles. C'est le neveu, et le neveu, il est tellement stupide qu'il va rien gagner les batailles tout seul. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, je pense qu'on va attaquer Hanovre avec Starmela, et l'autre, on va attaquer le Baden-Württemberg. J'ai pas d'agent à éliminer dans le coin, non, c'est bon, tant pis. Alors... Ah, ils ont pas de cinématique. Cette nation a été détruite, ces régions ont été prises par l'ennemi. Une nation autrefois resplendissante ne sera plus qu'une note de bas de page dans le livre d'histoire. Pourquoi je rigole quand on a tardé, je sais pas, mais... J'imagine trop le dans le livre d'histoire. Professeur, c'était quoi la Pologne-Lituanie? Franchement, gamin, tu veux pas savoir ce que c'était ce truc. C'est horrible, mais je suis sûr, dans leur livre d'histoire, les mecs, ils marqueront « C'est une merde !» Une merde qui existait il y a des siècles. C'est horrible, je suis vraiment un salaud, mais... En vrai, l'histoire reconnaîtra que c'était une nation qui m'aura mis des bâtons dans les roues. On se souviendra des 2-3 batailles où on m'ont défoncé beaucoup de troupes. Voilà, on sacrifie un peu d'argent pour ça. 45 plus 80. Attendez, je suis en train de compter. Bon, j'espère que ça ne me supprime pas une unité, mais je crois que si. Merde! Bande d'enfoirés! Voilà, on a... Eh, hey, il m'aime! Du coup, là, on a... Regardez, là... Alors, là, on a un fort. Là, on a... Oh, on a un théâtre. Oh, c'est génial, on va avoir un agent en plus. Et en plus, on a des trucs. Du coup, Frick, on gagne combien? On gagne 3200? Eh, Frédéric, il vient de gagner sa première guerre. Ouais, je crois qu'il était déjà en guerre à l'époque, mais bon. Ouais, on dirait un peu l'Allemagne de 33. C'est, tu sais, t'as le corridor... Ça, c'est la Silésie avec le corridor Danzig. Oui, c'est pas... Je sais que Danzig, c'est là, mais... Vous prenez la vanne, quoi. Alors, popularité. Nous sommes à 54%. Ouais, la guerre a été un peu meurtrière, on va pas se mentir. Toi, Félix, 55 ans, tu meurs pas. T'as intérêt à vivre le plus longtemps possible. Chef, et si je partais en voyage? Non! On connaît, hein, le fameux voyage qui coûte la vie au bout de 3 jours. Eh, là, ça commence à se calmer. Ah ouais, je crois que c'est bon, on va peut-être pouvoir bouger notre prêtre. Oui, bon, écoutez, je reste pas 50 000 ans dans une région. 30% de protestantisme? Eh, les mecs, ils m'aiment! Comme quoi, hein... Bon, et ben, je crois qu'on va pouvoir arrêter cet épisode ici, donc... Voilà, fin de la Pologne-Lituanie. Dans le prochain épisode, on réunifie l'Allemagne à coup de baston. Donc on reconquiert... est-ce que ça se dit vraiment? On reconquiert la... Enfin, on conquiert plutôt, parce qu'on n'a jamais été unis avant, enfin je crois. Le Baden-Württemberg, la Bavière et le Hanovre. Normalement, si je déclare la guerre... Alors... Attendez, si je déclare la guerre à lui... Parce qu'on va le faire dans les règles de la prochaine fois. Si je déclare la guerre... Oui, je déclare juste la guerre à lui. Bien. Normalement, j'entre pas en guerre contre notre nation. Donc... Alors, comment je suis aimé, moi? Ouais, tout le monde me déteste, sauf les Anglais, tiens. Les Anglais, ils m'aiment tellement que... On est alliés à personne, pourtant, on est en commerce avec tout le monde. Et on est fort, eh? Sinon, les chevaliers de Saint-Malte... Ah, ils sont chiants, ceux-là, parce que... Ah, voilà. On s'aime indifférent de tendance plus 6. Ah, ça va, quand même. Expansion territoriale. Ça va, De quoi il se plaint, lui? Lui, il a une vulgaire île, moi j'ai la moitié de l'Europe. Enfin, pardon. Le mec s'enflamme un peu. La moitié de l'Europe? Non. Bah, si vous le dites. Ouais, dans le prochain épisode, ça va être d'une bonne baston à l'ancienne. Donc, on va reconquérir une partie de notre territoire. D'ailleurs, je vais voir comment ça se déroule dans le monde, parce que je crois qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. En Amérique, comment ça se passe? En Amérique, l'Anglais a annexé ses colonies et... Ah, oui, l'Espagnol est en train de conquérir les colonies anglaises. Bon, si tu veux. Les colonies irlandaises n'ont toujours pas été reconquises. Comme d'hab. Et rien de nouveau de ce côté. Concernant l'Inde. Et on arrêtera cet épisode ici. L'Inde. Eh, les Marathes, ils avancent pas trop? Parce que vous souvenez-vous, dans le dernier épisode, ils avaient... je crois, ces deux provinces-là, en plus. Et Goa, qui est tombé entre les mains des Marathes. D'habitude, c'est le Mysore. La stratégie avec le Mysore, c'est que quand tu peux, tu attaques Goa.
Soit tu attaques le portugais, mais généralement le portugais il se fait descendre. Soit tu attaques Goa quand c'est rebelle. Mais il faut faire attention à ce que le Marat peut t'attaquer aussi. Et si les Mogols tiennent, moi je les annexe direct. Attendez, moi je veux mon Reich millénaire en... Enfin, une partie de mon Reich en Europe, quoi. Du coup, au niveau objectif, on en est comment? Alors, il nous reste la Silésie, ça c'est logique. La Bavière, c'est logique. L'Autriche, ok. L'Alsace-Lorraine, bon, voilà. Le Danemark, je crois en fait, c'est des petits objectifs. Normalement, Danemark, c'est juste la région là, la région de Holstein. Et là, ça devrait juste être les Sudètes. Voilà, genre Pilsen, mais je crois pas que ce soit très allemand que Pilsen. Par contre, l'Autrichien, ça va pas être une mince affaire. Après, vu comment il est occupé, ah, ils ont carrément pris Istanbul. Ah, balèze, balèze. Du coup, c'est Ankara qui est plein l'Empire Ottoman. On dirait un peu en mode 1930 avec Atatürk. Non, vous trouvez pas. Je dis ça comme ça, mais... En vrai, est-ce que l'Ottoman... Je crois que l'Ottoman, il peut... Je me rappelle une fois, l'Ottoman, il s'était devenu une république. En vrai, est-ce que c'est une république, les Ottomans? Je crois pas, non. Toujours une monarchie. Ouais, niveau politique, il y a l'Empire Mogol qui est une république, mais bon, ça sert à rien. Plus, le mec ressemble à encore un monarque. Ouais, il y a que des monarchies autoritaires. Ah! Je dis ça alors que je joue une monarchie absolue. Il faudrait que je joue une république. Bah oui, on a déjà joué la Russie en tant que république, mais franchement, je sais pas, jouer l'Espagne républicaine, un truc genre. Le troll absolu. Bon bah, c'est sur ce petit troll de fin d'épisode que je vous dis à la prochaine. Bye!